les meilleurs verriers du monde, ils sont dans cette vallée. On a vu ce soir quelques exemples, en tout cas de belles réalisations, de passion. Un grand savoir-faire autour du décor, il est là, il n'est pas ailleurs. Je trouve que c'est une belle première. En tant que présidente de la Glace Vallée, j'ai l'honneur d'ouvrir cette première biennale. Nous sommes habitués à collaborer ensemble et nous connaissons tous le niveau d'exigence des grandes marques. Alors en fait, cette plateforme collaborative a fait des petits et a donné surtout beaucoup d'idées. Innover, ça ne s'invente pas au sein de la Glace Vallée. C'est réellement quelque chose qui s'est concrétisé au travers de ces dernières années. Il est important de pouvoir anticiper les besoins de nos clients notamment. Alors l'intérêt pour nous, c'est de voir la Glace Vallée pour sa première biennale s'adresser à ses clients et montrer ses compétences, sa capacité à investir, sa capacité à lancer de nouveaux produits et puis tout simplement à mettre en avant cette filière d'expertise de notre région. On est en permanence obligé d'investir. Ça s'est encore accéléré ces dernières années. Il était important de noter qu'en fait le co-développement, c'était d'abord une évolution afin de libérer la créativité des équipes et favoriser l'innovation tant recherchée. Alors pour faire un beau flacon, il faut un beau moulin. C'était ni plus ni moins que l'extraction d'un morceau d'image qu'on devait transférer sur le flacon. Une grosse tendance du marché, c'est aussi de la customisation. Ce soir, l'idée, c'est de vous convaincre que la fabrication additive, non seulement s'est intégrée dans les process des acteurs de la Glace Vallée, mais aussi, aujourd'hui, un moyen de fabriquer. Les présentations précédentes vous ont démontré une synergie importante parmi les 70 entreprises de la Glace Vallée. On l'a vu ensemble, co-développement, innovation, beaucoup de verriers, d'outilleurs, de paracheveurs travaillent ensemble depuis plus de 20 ans maintenant dans la Glace Vallée. On est très complices en fait. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment un écosystème, c'est pas une filière. Donc vous êtes dans hyper branchouille, on pourrait dire, au niveau de la mode de gestion de l'innovation. Vous dites, on est modeste, mais enfin, 70% du marché mondial. On est bien dans un contexte d'excellence au service de l'excellence. Ce qui vous rassemble, eh bien, c'est ce superbe objet, la magie de l'objet, qui fait que chacun a apporté sa contribution. On défend un territoire quand on est une entreprise, un grand industriel, par l'investissement. Par définition, une biennale, c'est tous les deux ans. Donc, rendez-vous en 2019.